Hello les gens, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de je ne sais trop plus combien de cette série. Alors, où en étions-nous rendus? Ok, c'est vrai. Alors, les commerces, diminuer la production. Non. Il n'y a pas de zone à construire pour magasins en ville. Ok, normal. Manufacture. Ah non. Non. Là, ça va pas le faire. Option. Avancer. Oh, pas le mode expert. J'ai pas envie, tout simplement. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Donc, je peux toujours pas les industries high-tech. Paf, paf, paf. Alors là, on est bien mal barré. Il n'y a pas d'emploi disponible. Ok, bon. On va faire un peu de manufacturing. Alors, donc là, on voit déjà. Il y a du super trafic. Hein, c'est des petits carrés noirs. Non. Je vais faire ça normal comme c'était avant. Ok. Donc là, je fais n'importe quoi. Ok, bon. Alors, go on. Donc, ok, donc ça. Ah, donc voilà, donc ça. Tout ce qui est en faillite à chaque fois, en fait, faut détruire, mais voilà. Faut les trouver, en fait, les bâtiments qui sont en faillite. Voilà. Le taux de chômage est au plus bas, normal. Ah, il n'y a pas assez de travailleurs pour les champs agricoles. Ah, si. Bon, si, bah si en fait. Hein. Donc il faut des logements. Là. Faut un petit peu de travailleurs qualifiés. Densité moyenne, un peu travailleurs normaux. Là. Oui, donc en gros, ça emménage direct, donc ça c'est parfait. Tout ceci est entièrement parfait. Les habitants, ça arrive en masse. Mais de toute façon, en fait, c'est ce qu'il me faut. Il faut que les habitants arrivent. Faut, merde, il faut que j'ai des habitants. Bulldozer. Voilà, pas ça. Là, je l'ai mal mis. La maison est mal mise. Voilà. Et ben non, pas de dernier. Ok, bon. Go alors. Donc, vous savez très bien, j'ai les mods. J'ai les mods si je veux. Hein, alors, c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être. Ah non. Faut combien? 75 000 habitants. Ok. Ok, d'accord. Faut 10 000 habitants. Loisirs culturels. 10 000. En gros, je peux toujours pas utiliser les mods que j'ai parce que. Pas assez en fait. De machin, donc là j'ai des monuments, mais il faut vraiment beaucoup de habitants. Donc là j'ai des machins, c'est pour l'Europe. En Europe j'ai des machins, j'ai des packs. Oui, ça c'est pour un quartier latin en fait. Je pense que je vais faire ça. Hein, latin, pas latin. Ouais, je pense que je vais me faire un petit quartier latino, si, là, ouais, ça peut être intéressant. Je m'en fous, j'ai des codes de cheat après.
Ça fait pas très swaggy, mais bon. Code de cheat, hein. Mais ça, on s'en fout. Non, justement, je vais mettre dans le sens. Pas un machin. Non, mince. Peut-être ça. Ouais, parfait. Alors, ouais. Comme ça, en fait, c'est plutôt pas mal. Ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Puff, puff, puff. Donc, il faudrait peut-être plutôt faire des petites fruits, voilà, comme ça. Là. Voilà, donc ça, une fois que c'est rentré. Ouais, ça peut être vraiment intéressant de jouer avec un pack comme ça, et donc là ce serait cool. Je fasse un quartier latinos. Le déficit, on s'en tape du déficit. On n'a pas besoin du déficit. Terre urbain. Ok, bon, alors on est bon, on est peut-être pas bon en fait. Ok, les biens de consommation sont très mal. Où sont les bâtiments en crise? Où c'est dit que ça va pas bien? Oui, ben si j'ai pas d'informations, je ne peux pas trop savoir grand chose. Là, on a la zone hôtelière. Elle se porte bien, hein, tranquillement. Je vais peut-être augmenter un peu. Oui, le panneau de ressources. Ah oui, c'est vrai que je peux faire des ressources. Maintenant, j'ai les ressources. Et non, là, c'est parfait, parfait, parfait. Par contre, il va falloir que j'augmente les impôts. Parce que je suis un grand bâtard. 16%. Voilà. C'est bien obligé. Ben voilà. C'est l'éducation les plus... Ah non, ça, c'est les services. Les dépenses, voilà. Attends, les plus coûteux, voilà. C'est la décharge, mais ici, il faut produire de l'électricité et tout ça, donc c'est... S'il y a une place de marché très intéressante, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. J'avais envie, je me rappelle très bien, j'en suis fier d'avoir créé ça. Non, c'est dans les... service technique, voilà. Donc c'est les ressources, voilà, donc du carburant. Zoning est trop grand. Voilà. Donc là, on a du pétrole. Je sais, les graphismes sont... à se faire caca dessus. Normal, mon PC est à se faire caca dessus tout simplement également. Donc attendez, là c'est quoi là? Là c'est centrale électrique. Donc au niveau des déchets c'est ici. Donc oh, bah, il faut. Ah, mais fuck, d'accord. Donc il y a pas de truc d'eau. D'accord, ah oui, en même temps. Un parc éolien. Éolienne. Ça, hein. Je crois. Oui, c'est une éolienne. Enfin, j'en ai déjà mis, hein. Faut bien. Faut produire de l'électricité. On en est bien obligé. Par la force du vent.
Alors, paf, paf, paf. Voilà. Alors, là. Un grand parc éolien tout autour, là. Tranquillou. Crise économique? Oh, au pire, on s'en fout. Fait quitte la triche. Voilà, là on est bien. Là on est tranquille. Voilà. Donc là, il y a assez de pétrole. Non, je vais refaire un peu de production de carburant. Voilà. Que l'on veut mettre. Ouf, c'est la crise. J'ai enfin. Les citoyens se font qu'elle. Se font chier, d'accord. Les citoyens s'ennuient. Les loisirs. Les voilà, les loisirs. Tac, de loisirs. Il y a les casinos, il y a son train. Ouais, mais pour tout ça. Même par le. Les deux machins là. Terrain de basket super très intéressant. On va leur mettre là. On va remplacer les machins là. Tut, tut, tut. Ça. Tous les dégager. Oust. Allez, oust. Hop, et on fout des loisirs, on va foutre des grandes roues. Un peu partout. Et aussi des loisirs sportifs, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est bien. Ah, oh, putain. C'est quoi ça? Magasin de la restauration rapide. Très intéressant. Voilà, c'est ça. Et... La crise touche tout le monde. Alors, il n'y a pas assez de logements. Et eux, ils travaillent pas assez. Oh là là, il faut savoir ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Oh, voilà. Ok, forte perte d'argent. Ouais, mais comment combler ça, quoi? Ben, je sais que par contre, je peux faire venir beaucoup. De personnes, voilà. Hop là. Alors, bon, là, c'est le quartier Latinos. Alors là. Voilà. Un bon petit quartier comme ça. Les gens, ils vont vouloir emménager direct, de suite. Ensuite, on va en créer un ici, là, de là jusqu'à là. Tu, là. Là. Alors, ensuite, on replace des habitants. Aussi, on va faire comme ça. Là. On fera pour cela et après je pense que ben, l'épisode sera fini et que je vous dirai à la prochaine. En tout cas, j'espère que le tuto que j'ai fait sur comment installer des mods vous aura bien aidé pour ceux qui ont le jeu hein. Sachez que moi en tout cas j'ai mis du temps à trouver comment faire et donc ben, c'était, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Voilà. On va accélérer. Non! On va accélérer ça. Je pense qu'on va arriver facilement à plus de 10 000 habitants. Même si j'ai de plus en plus de rentrées d'argent. Voilà. Voilà. Allez. Voilà, il y a de plus en plus de choses. Là, j'ai la densité moyenne. Donc j'ai débloqué ça pour la densité moyenne. Niveau des loisirs, voilà, j'ai encore débloqué quelque chose. Alors là, j'ai débloqué la sécurité, ça c'est parfait. Mettre un commissariat ici. Décoration. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai débloqué. Bon, je m'en fiche un peu. Donc voilà, super, très intéressant. Oh, j'ai débloqué toutes les routes et tout. Alors là, c'est parfait.
Panneau de ressources. Voilà. Donc maintenant je suis à plus de 13 000 habitants. Et donc sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.